Crédit photo. TF1 Mask Singer fait son cinéma. Vendredi dans le troisième numéro du divertissement présenté par Camille Combal, les 8 célébrités encore en lice dans le Léopard, déjà démasquées par le public, se mettront sur leur 31 pour rendre hommage à de célèbres films dont Le Roi Lion, en présence de la troupe de la comédie musicale. Tandis que le jury composé de Laurent Ruquier, Inès Reg, Chantal Leitzou et Kev Adams continuera de mener l'enquête, la soirée sera aussi marquée par l'arrivée de la première star internationale de cette sixième saison. Tandis que le jury composé de Laurent Ruquier, Inès Reg, Chantal Leitzou et Kev Adams continuera de mener l'enquête, la soirée sera aussi marquée par l'arrivée de la première star internationale de cette sixième saison. Dans la bande-annonce dévoilée par TF1, on découvre qu'elle prendra l'apparence de la Reine de Glace, avec un costume entièrement constitué de miroirs. Le player Dailymotion est en train de se charger. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x8xnmvw.virgule configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, ce n'est pas Rihanna sur le compte Instagram officiel de l'émission, les images de l'entrée sur le plateau de la Reine de Glace distillent quelques indications précieuses pour les enquêteurs. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x8xnmvw.virgule configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, ce n'est pas Rihanna sur le compte Instagram officiel de l'émission, les images de l'entrée sur le plateau de la Reine de Glace distillent quelques indications précieuses pour les enquêteurs. Accompagnée de deux gardes du corps, la star internationale dit bien connaître Paris et Saint-Tropez mais pas Villedieu-les-Poêles, la ville dont est originaire Pierre Garnier. Petite déception pour le gagnant de la Star Academy. Deux indices lancent les internautes sur la piste d'une chanteuse. Grammy Awards, Sala Conner révèle la production de Mask Singer. Précision de taille néanmoins. Si la Reine de Glace shine like a diamond, ce n'est pas Rihanna qui se cache sous le costume. Publication sur Instagram. Une publication partagée par Mask Singer TF1 @MaskSinger-TF1, Katy Perry ou Gloria Gaynor dans Mask Singer? Dans un numéro de l'émission Touche pas à mon poste, Guillaume Janton assure que TF1 a mis la main à la poche pour s'offrir une vedette digne de ce nom. L'info, c'est qu'ils ont une star internationale qui n'a pas encore été dévoilée, qu'on a vue, mais on ne peut pas dire qui c'est. Ils l'ont payé 500 000 euros. C'est la première fois qu'ils paient une star internationale aussi chère, affirme le chroniqueur de Cyril Hanouna, qui ajoute, je ne vais pas dire qui c'est, ça a un rapport avec le football, de près ou de loin. À lire, Mask Singer. On a démasqué l'hippopotame, et c'est un célèbre acteur-chanteur. Certains internautes en sont donc persuadés, il s'agit de Katy Perry. En participant à Mask Singer, la popstar américaine, qui a assuré en 2016 la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de foot US, s'offrirait une vitrine médiatique idéale avant son grand retour avec un nouvel album. D'autant qu'elle est mariée à Orlando Bloom, une star de cinéma. D'autres, la Reine de Glace serait Gloria Gaynor, la diva derrière l'hymne des Bleus I Will Survive en 1998, voire même Taylor Swift,
qui vient d'assurer 4 concerts explosifs à Paris La Défense Arena et dont le petit ami Travis Kelce est un joueur de football américain, dont l'équipe des Kansas City Chiefs a remporté le dernier Super Bowl.